À votre avis, qu'est-ce que le groupe aéronaval? J'ai pu passer 6 jours à bord, en mer, sur différents navires. Du coup, je vous explique ça en 40 secondes. L'objectif d'un porte-avions, c'est d'être une base militaire mobile. C'est un aéroport qui se déplace à travers les océans, selon les besoins du pays, en se rapprochant des zones qu'il vise. Mais un porte-avions ne se déplace jamais seul. Il est beaucoup trop précieux pour être laissé tout seul dans les océans. C'est pour ça qu'il est toujours escorté par d'autres navires, et c'est tout cet ensemble de navires que l'on appelle le groupe aéronaval. Il y a des bateaux qui vont faire de la protection, des bateaux qui vont faire de la détection et des bateaux qui vont ravitailler. C'est pour ça que le porte-avions est généralement accompagné par une frégate. Il peut y avoir différents types, des frégates anti-aériennes, anti-sous-marines ou bien des frégates qui font un peu des deux, les frégates multi-missions. Cet ensemble est accompagné d'un pétrolier ravitailleur qui est un magasin ambulant et qui stocke des vivres et du matériel. Et enfin, il est souvent complété par un sous-marin qui réalise de la détection sous les mers et à la surface des océans.